Coucou! Bienvenue à tous pour cette vidéo aujourd'hui. On a vu les premières vivres ce matin quand j'étais sorti dehors. Il commence à faire froid, attention, faut bien se couvrir. Sur ce, nous allons voir le tournoi cette semaine, sachant que la semaine dernière elle a été catastrophique. Espérons que cette fois-ci ça sera mieux. Tadadan, 4 étoiles, booster de bonus, pas de verre. Traduction, les bleus sont heureux. Booster de bonus avec les bleus qui sont heureux. Les bleus qui sont heureux. Et bien moi j'ai gris, ça devrait être sympathique. J'ai Sonia aussi qui peut être sympa. Lui pourrait être bien mine de rien, vu que je l'ai au niveau max-max, et que lui c'est un debuffer et un bloqueur. Après, vu qu'il n'y a pas de verre, ça va pas. Mais non, c'est pas mal quand même. Donc je vais plutôt te mettre toi. Ici, je vais mettre Sonia, mais du coup en version costume. Comme ça, elle peut se cliner, et puis elle est plus casse-pied en plus. Qu'ai-je donc de sympa? Bah, j'ai mes deux tueurs, mine de rien, même si normalement ça va être giga bleu tout de même. J'ai Amemona qui peut être cool. Scrognonieux, j'ai Amemona. J'ai pas mal de choses en vrai. On va mettre Amemona plutôt ici. Je mets le Sonia dans son coin. Si ça mettre Ardent tout au fond. Mais je suis pas encore sûr de moi. Ça aurait pu être sympa, mais sans plus. Tiburtus qui peut être bien. Que Limbursty. Scoratex en plus. Lui, il est sympa, mais il est lent et au fond, il servirait pas à grand-chose. Non, moi je pense que je vais mettre Aoudan, je pense. S'il y a en soi, il fait plus mal, mais vu qu'il frappe 3 personnes, il peut frapper que 2 s'il est bête. Alors qu'Aoudan, moi je sais qu'il frappait tout le monde, bête et méchant. Ça, moi c'est une valeur sûre. On peut te mettre une troupe qui te donne plus de PV. Toi, une troupe plus défensif, toi une troupe, ouais cette troupe là vu que t'as une défense qui est plus faible, toi on va te laisser celle-là et toi on va te laisser, oui je pense, ça a l'air relativement concret. Bon après augmenter l'attaque d'Amemona c'est totalement débile, surtout qu'en plus elle va partir. Je pourrais mettre Aodan ici et Amemona je pourrais la mettre au fond. Mais si je mets un soigneur au fond, je vais pas être soigné de suite et ça peut être un peu compromettant. Après, elle est rapide, peut-être que ça peut faire le taf, mais ce serait bête de donner un effet positif qui va servir à rien au final. Ce serait même très très bête. Ou alors, ce que je peux faire,
Comme ça, en étant paladin, elle va soigner un petit peu mon inquiet à sa droite. Mais il me faudrait un cleaner. Et comme cleaner, qu'est-ce que j'aurais en 4 étoiles? Techniquement, il y a 3. Pour toi, tu renvoies les effets négatifs. Tous les élus renvoient leur effet négatif à un personnage aléatoire de l'équipe adverse pendant 3 tours. Si les effets négatifs dissipables sont renvoyés. Elle peut être sympa, mais encore une fois, augmenter l'attaque d'elle serait un peu bête. Et à la mettre au fond, je vois pas trop d'intérêt. Enfin, j'ai eu mes soigneurs au fond, bon, je vais jamais être soigné concrètement. Parce que toi, tu es pas cleaner, je crois. Tu augmentes la santé, tu te génères sur main, donc toi t'es pas cleaner, ce qui est bien dommage. Bah, j'ai que Sonia à costume en cleaner 4 étoiles potable en vrai. Ou alors je peux mettre Tiburtius, j'ai rien à voir, hein. Comme ça j'ai deux paladins, trois saisons 1, il débuffe la défense, je peux aussi faire une strat. Mais je suis pas 100% convaincu. Toi t'es sympa, mais bon, sans plus. Ou alors je mets Sonia costume, comme ça j'ai un cleaner debuffer et tant pis pour mes mana aussi, hein, je pourrais aussi faire ça. Hein. Vu que Jukanaim il a le renvoi dès le début et vu qu'il est un peu plus faible que les autres, bah du coup on le renvoie c'est que 60% mais au moins ça doit faire le bon taf. Trop de nature sans s'en foutre, on n'aura pas. Bon. Je suis pas 100% convaincu, mais pour le moment, ça devrait être potable, mais bon, peut-être que je sais pas top top. Donc là, pour l'instant, c'est l'idée que j'ai. Grim qui augmente l'attaque de ses copains et qui peut donner le 1 bonus en plus, le bonus du voyou supérieur, donc ça c'est cool. Sonia qui clean, Jukanaim qui debuff et empêche. Aodan pour un petit point de service qui, avec les deux cumuls, devrait faire mal. Et Memona qui, elle, devrait donner deux cumuls en plus à tout le monde, qui est non dissipable. Donc en soi, ça va être pas mal. Mais je reste indécis quand même. De coutume, les commentaires sont ouverts. Et si je les lis à temps, bah, je verrai si je pourrais intervenir. En tout cas, je vous dis à très vite. Moi, j'ai pas tardé à déjeuner. Et ciao ciao!